lucha armada es el único camino para la liberación. Lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general siempre el imperialismo cuenta con todos los medios aliados con la oligarquía de cada uno de los países para impedir el triunfo democrático de la revolución. Bestialidad imperialista, bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito nada. Quand on a dit l'arme, il peut cracher le feu et la vendre. Et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'a pas que le public pour semer la terreur autour de soi. Combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, tel ou tel champ de bataille, d'amener des donations et écrits, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux que si nous en avons conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre les régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre ce qui les dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. Chers frères, avec le soutien de tous, nous pourrons faire de la paix chez nous. Nous pourrons également utiliser ces immenses potentialités pour développer l'Afrique, parce que notre sol, notre sous-sol sont riches. Nous avons suffisamment de bras et nous avons un marché immense, très vaste, du nord au sud de l'est à l'ouest. Nous avons suffisamment de capacités intellectuelles pour créer, ou tout au moins, prendre la technologie et la science. Partout où nous pourrons les retrouver. Faisons en sorte également que le marché africain soit le marché des Africains. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonasse produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans.
Il n'y a pas un seul film qui vient de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne peux pas être gré de vote, mais je voudrais simplement dire, que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons.